Voici une lettre de la police judiciaire pour votre directeur. Y a-t-il une réponse? Non, c'est une convocation. Merci. Nous ne pouvons pas confier nos dossiers à tout le monde. La conclusion de votre scénario nous a donné satisfaction. Cependant, je tiens à attirer votre attention sur le côté inhumain du personnage que vous désirez montrer à l'écran. Monsieur le directeur, il n'est pas dans mon intention de montrer les crimes crapuleux ou sordides de Pierre Morelli. N'importe quel film de gangster nous en apprendrait tout autant. Mais il est un côté de ce genre d'histoire qui n'a pas été étudié et qui intéressera sûrement le public. Derrière le gangster, il y a l'homme et ses réactions humaines. En parallèle avec ses forfaits, il y a son comportement dans la vie quotidienne. Son comportement d'homme traqué, qui vit au jour le jour, peut-être de sa dernière heure de liberté. Et qui ne peut donc réagir devant les sentiments habituels tels l'amour, la jalousie, la haine, comme tout le monde. Et quant à moi, je pense en effet que les seuls exploits du gangster ne sont pas intéressants. Et nous voulons les éluder dans notre film. Je suis heureux de voir que vous partagez mes idées. Brièvement, je vais vous résumer ce que nous savons sur lui. D'abord, Pierre Morelli fut garçon de café dans un petit bar, comme il en est beaucoup du côté de la place Pigalle. Pierre, ben voyez les clients. Je peux pas être partout, non? Oh, on va s'y discuter, hein?